Elle peut faire de la MRDE, Star Academy, tacle violemment Anisha. La Star Academy s'apprête à quitter nos écrans aussi vite qu'elle est arrivée. Cette édition ne durant que 6 semaines. La finale, prévue le samedi 26 novembre en seconde partie de soirée, arrive à grands pas. Louis a réussi à s'octroyer directement une place en finale, après les évaluations de 7 semaines. Enola, Anisha, Léa, Sienna et Chris sont donc en compétition pour le rejoindre. Le prochain prix est donc d'une importance capitale pour eux car deux candidats devront dire adieu au château. Demain soir, le prime de la demi-finale accueillera de nombreux artistes, Clara Luciani, Vianney, Patrick Bruel, Claudio Capeo, Camélia Jordana et Marc Lavoine, qui a d'ailleurs donné un avis cash sur le nouveau jury de The Voice. L'étau se resserre autour des académiciens, et les petites tensions déjà présentes semblent devenir récurrentes. Cette semaine, c'est Anisha qui en a fait les frais. De retour de son évaluation. Ses camarades ne lui ont pas adressé un mot d'encouragement. Assise sur le canapé, elle semblait plus isolée que jamais. Si bien que les internautes se sont demandé si elle était malmenée par les autres élèves. Avant elle, c'est Louis qui était critiqué par son camarade Chris. Et dans la soirée du jeudi 17 novembre, rebelote. Anisha était à nouveau au cœur des conversations. Son nom est apparu lors d'une discussion dans la cuisine du château entre Sienna et Enola. Le truc parfait serait que Léa, toi et moi on soit sauvés, mais bon c'est beau de rêver. A décrété la Benjamine du groupe. Un avis partagé par son ami, franchement. On a des trucs pas mal à défendre. Je me dis sur un malentendu, mais la discussion ne s'est pas arrêtée là. Dans tous les cas, qu'on rate ou pas le prime, ça va pas changer les votes. Anisha elle peut rater ce qu'elle veut. Virgule les gens, ils votent avant. Anisha elle peut faire de la MRDE sur sa musique. Elle sera repêchée dans tous les cas tranché Sienna. La colline de Léa ose maintenant dire tout haut ce qu'elle pense. Même si les internautes soupçonnent là-dessous une mauvaise influence de Léa.